Bonjour Cyril, alors on va déguster le deuxième vin acheté aux Hospices de Beaune 2017, le Meursault Cuvée Lopin. Écoute Jean-David, ce vin aujourd'hui se présente en cours d'élevage. On est sur un Meursault, donc quelque chose quand même d'assez constitué pour qu'on ait encore du temps. Toutefois, aujourd'hui, si la minéralité ressort et si on est très présent sur les fleurs blanches, sur ce côté assez fin du Chardonnay, on pressent déjà quelques touches de fruits secs qui caractérisent Meursault. Mais par contre, c'est vrai que cet équilibre entre fleurs et fruits lui donne beaucoup d'énergie, tout à fait confirmé par la sensation en bouche que je te propose de tester tout de suite. Passer cette première attaque entre fleurs, de sureau, petits fruits secs qui s'annoncent, on a derrière cette vivacité, cette énergie. C'est tendu quand même. De l'onctuosité, mais balancée effectivement par une tension qui est plutôt remarquable et qui signe d'un bon potentiel d'élevage et d'encore quelques mois d'évolution afin d'arriver à la plénitude qu'on espère sur un cru si bien constitué. Tout à fait. Ce qui est plaisant, c'est déjà cette complexité. Je parlais de fleurs, de fruits. Il y a une richesse, mais sans lourdeur, puisque c'est balancé par cette vivacité. Le mot qui vient, c'est plutôt énergie sur ce morceau, plutôt prometteur. Et comme tu le disais, Meursault a tout de même une âme, ça se voit dans ce nom, et là on sent cette âme et cette profondeur de terroir qui se manifeste à travers cette trame et cette énergie. Super, merci beaucoup.